Aujourd'hui, je vous recommande une série qui est montrée dimanche à cérémonia Ça s'appelle « We are Lady Parts ». C'est une série anglaise. Euh, en fait, une de ces séries que seuls les Anglais savent faire, qui est à la fois politique, sociale, drôle, attachante. Mais qui oserait faire ça en France Ça raconte le quotidien d'un groupe de punk, de musulmanes, euh, dont l'héroïne est une jeune femme assez coincée, même voire très coincée, qui va rencontrer ce groupe de musiciennes et se confronter à leur vision de la société, chacune d'entre elles, à leur vision des relations. Et c'est une société, c'est une série, pardon, la plus révélateur qui parle euh, des femmes musulmanes comme sa créatrice Nida Manzour, qui est une scénariste anglaise d'origine pakistanaise, a voulu raconter en disant, moi je ne me retrouve pas dans, dans la mise en scène souvent dramatique, souvent tragique qui est faite des musulmans. Moi j'ai envie de raconter quelque chose de drôle. Et donc elle va inventer ces personnages féminins qui sont toutes différentes, qui ont tout un regard sur la société, sur la religion différente, mais qui sont toutes croyantes. Euh, et va finalement nous montrer la pluralité de ces femmes-là euh, dans l'émotion, mais aussi dans le rire. Mais c'est jamais une série qui est, qui est dans l'ironie méchante. C'est jamais une série qui rit de ses personnages, mais plutôt avec ses personnages et qui va nous entraîner finalement comme ben, un bon morceau de punk. C'est court, c'est nerveux, il euh, y a un côté ironique, des clins d'œil beaucoup, euh, mais en même temps, au bout du morceau, on a secoué les stéréotypes, on a secoué quelque chose, et donc le punk c'est profondément politique. We Are Lady Parts fait aussi ce travail-là et va euh, finalement nous embarquer hyper vite, comme la musique, euh, dans le quotidien de ces jeunes femmes. Et moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur c'est avoir ce dimanche euh, à Cérémania.